Au début, j'étais en mode, ouais, coronavirus, c'est qu'une grippe, nanani, nanana. Ils essaient de nous mettre une douille, ils veulent juste nous vacciner, mettre un truc chelou. Au début, j'étais dans un truc comme ça. Après, j'ai entendu des gens qui sont vraiment morts. C'est pas genre des gens morts, t'entends à la télé, c'est des gens que tu connais. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, atteindre tes objectifs, pouvoir avoir les tips pour gagner du temps, pouvoir créer ton business en ligne. Parce que de toute façon, on est dans un monde économique. Donc à un moment donné, les gars, tout se fait par rapport à l'argent. Donc il va bien falloir en faire. C'est un truc de ouf quand même qu'on est dans un monde où tout fonctionne que avec l'argent. Tout, hein. Tu peux vérifier, tu peux chercher dans ta tête tout ce que tu veux. Tout fonctionne avec l'argent. Tout. Meilleure santé, relation, tout ce que tu veux. Okay? Tu veux faire des églises, tu veux... il faut de l'argent. Okay? Et donc du coup, personne ne nous enseigne à faire de l'argent. C'est même vu genre comme si c'est le mal absolu. Des fois on se dit on marche sur la tête quand même, non? Donc ici c'est Jean Tachi, si jamais tu ne me connais pas encore. J'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. J'ai grandi dans le quartier qui s'appelle les Pyramides à Évry. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne. Je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine. Dans l'étude de cas qui est juste en dessous, tu es libre de pouvoir y accéder, de pouvoir t'en inspirer et de même copier si tu veux. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le vaccin du coronavirus, du Covid-19, les gars, bah, on va en parler. J'ai envie de te dire, comme tout le monde en parle, bon, bah, faut en parler. Voilà, j'en parle aussi, quoi. Donc, on va en parler, les gars. Je vais te dire un petit peu ma pensée par rapport à tout ça, hein. Par rapport à tout ça, vaccin, machin, etc. Donc je sais que tout le monde est à fleur de peau par rapport à ça. Les gars, calmez-vous, les gars, calmez-vous, tranquille. Hein. Moi aussi, je suis dans tout ce qui est délire, complotisme. Je suis ascendant. Hein. J'ai déjà un penchant naturel vers tout ce qui est complotisme. Oui, Bill Gates, ils veulent tous nous éliminer de la surface de la planète. Bon, il n'y a pas de problème. Je suis enclin, naturellement, je suis enclin. Au début, j'étais en mode, ouais, coronavirus, c'est qu'une grippe, nanani, nanana. Ils essaient de nous mettre une douille, ils veulent juste nous vacciner, mettre un truc chelou. Au début, j'étais dans un truc comme ça. Après, j'ai entendu des gens qui sont vraiment morts. C'est pas genre des gens morts, t'entends à la télé, c'est des gens que tu connais. Donc, déjà, quand ça arrive à ça, à ce truc-là, tu dis, ah, c'est pas quand même. C'est pas du bullshit en fait. C'est pas juste une grippe. Parce qu'au début, on disait, oui, c'est comme une grippe, il y a plus de gens qui meurent de la grippe, ça. Là, franchement, j'ai entendu beaucoup de gens, et même moi, je suis en Colombie, j'ai des gens qui connaissent des gens qui. Il y a juste une seule personne entre eux. Il y a des gens qui connaissent des gens qui sont morts vraiment du coronavirus. Genre du Covid, vraiment. Et genre, vraiment ça, vraiment. Parce que je pose des questions quand même. Je dis, ouais, mais. Parce que j'ai des gens qui travaillent dans les hôpitaux aussi. Je dis, ouais, mais attends, mais c'est vraiment vrai et tout. Machin, mais ils n'étaient pas plus âgés, tout ça. J'essaie de voir si j'avais pas genre. Les gars qui sont morts, c'est des personnes genre qui étaient déjà un petit peu défaillantes, qui avaient déjà une maladie auto-immune ou un truc, tu vois. Et en fait, ils essaient de passer ça par Covid. Donc c'est pour te dire que je suis déjà enclin. Je suis déjà enclin dans le complot. Dans le complotisme, déjà. Ok? Et non, et apparemment, la meuf, elle me disait. Non, il y a des fois, c'est des jeunes, des fois, c'est des vieux. Enfin, non, c'est des gens qui meurent de tout. Enfin, ils peuvent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Genre, c'est pas que des personnes âgées, quoi, tu vois. Bref, du coup, parce que moi, j'aime bien d'avoir les infos directes. Parce que les infos de la télé, là, on sait, c'est l'audimat, les gars. Hein, on sait que, et puis en plus, chacun veut faire passer, hein, celui qui est propriétaire de la chaîne, il fait passer ses idées, ce qu'il veut faire, quoi. Donc, du coup, le gouvernement oblige tout le monde à se vacciner. Hein, sinon, bon, bah, sinon, ça va être compliqué, hein, les gars, de vivre normalement. Je pensais y avoir échappé, mais en Colombie, pour l'instant, c'est pas obligatoire. Mais apparemment, dans 2 mois, je crois, dans 2 mois, ce sera obligatoire. Donc voilà. Ici, ils sont pas trop dans le délire complotiste, tout ça. Ils sont pas du tout dans ça. Ils font tous la queue, d'ailleurs, pour faire le vaccin, là. Ça veut dire qu'avant que ce soit obligatoire, ils font déjà le vaccin en masse, quoi. Genre, ils font ça même dans un centre commercial, là. Parce que ma salle de sport, elle est dans le centre commercial. Et il y a une queue de malades tous les jours, là, quand j'y vais. Et donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Ils sont pas du tout dans un truc complotiste, non. Ils sont pas du tout que, ouais, on va nous forcer. Ils le font même avant même qu'on leur dise, quoi. Que ce soit obligatoire. Parce que des fois, j'essaie de faire genre des. Ouais, mais quand même, des fois, le vaccin, non. Hein? T'es sûr que. Parce qu'on n'a pas beaucoup quand même de. Hein, d'arriérés, non? Non? Chaque fois, tout le monde me regarde comme ça, genre. Genre, ils comprennent pas. Genre. Mais vraiment, genre.
C'est même pas genre j'y mets le doute chez eux quoi. C'est, genre ils disent mais enfin il y a des gens qui meurent. Hein. Genre, je connais des amis qui sont morts. Ok. Donc du coup non, ils sont pas du tout. J'essaie de les engrainer mais rien à voir. Bref, mais en fait moi ce que je veux en venir là-dessus, de savoir est-ce qu'il faut se vacciner, est-ce qu'il faut pas se vacciner, est-ce que le gouvernement il nous oblige, c'est pas bien, etc. Oui sûrement, oui peut-être, peut-être pas, peut-être j'en sais rien, tu vois. Moi ce que j'ai constaté, c'est que là où vraiment j'ai pris conscience, c'est que je suis dans un groupe d'amis, tu vois, sous WhatsApp, je leur ai envoyé une opportunité, ok. Ouais, opportunité. Opportunité qui était assez facile à saisir. Même si jamais t'es pas genre, t'es pas à fond dans le business, etc. Ok. J'aurais donné l'opportunité. Ils ont pas vraiment calculé. Et derrière, ils ont parlé que du coronavirus. Oui, le vaccin, ils veulent nous obliger, c'est n'importe quoi, on va descendre dans la rue, je sais pas quoi. Et en fait, ça m'a marqué. Parce que je me suis dit, mais en fait, les gars, ils sont focus sur le mauvais truc, en fait. C'est le truc, je me suis dit, mais en fait, mais je leur donne une opportunité pour pouvoir faire plus d'oseille. Et ils sont là en mode, ils veulent nous obliger, tout ça, c'est la merde, etc. Et ben ça. Parce qu'en vérité, si jamais ils veulent vraiment qu'on fasse le vaccin. Parce qu'honnêtement, là, le vaccin, pour te dire la réponse, si jamais tu cherches à savoir est-ce que moi je vais faire le vaccin ou je ne vais pas faire le vaccin, concrètement, si jamais tu veux voyager, il va falloir le pass sanitaire. Donc voilà, sinon tu peux pas voyager. Donc à un moment donné, bah, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bah, en vérité, je m'en fiche là, tu vois. J'ai pas le choix en fait. Si jamais je vais aller aux States par exemple, il va falloir que j'ai le pass sanitaire. Si t'es pas vacciné, tu vas pas pouvoir rentrer dans le pays. Donc, du coup, je vais faire le vaccin, tu vois. En fait, faut penser genre en mode, ok, il y a des choses qui sont mises en place, mais du coup, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Ok, et en plus, ce sera toujours plus facile de pouvoir esquiver des trucs genre quand t'as de l'argent, tu vois, quand t'es libre, tu vois. Bon, là, du coup, ça a l'air d'être vraiment mondial, parce que même en Colombie, il va falloir que dans 2 mois, tu pourras pas aller dans les cinémas, même à la salle de sport, tu pourras pas, genre, si jamais t'es pas vacciné. Donc à ce moment-là, t'as pas trop le choix. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai vu, c'est que tout le monde se concentre sur un truc, tu vois, alors que dans 2 ans, plus personne n'en parlera. Dans 2 ans, plus personne n'en parlera. Mais tout le monde se focus sur un truc au lieu de se concentrer sur faire de l'argent. Rien ne va dire, ouais, mais tu penses qu'à l'argent, etc. Oui, parce que c'est la base, les gars. Ta vie, elle va changer parce que tu te concentres, je veux pas me laisser faire vacciner, oui, j'ai le vaccin, etc. Pour les pour et les contre, ce sont des débats où tu captes ton attention sur des choses qui sont inutiles et dont tu n'as même pas à pouvoir. Après, tu vas dire, ouais, mais on va descendre dans la rue, franchement, vu comment tout le monde entier. Là, c'est pas genre truc en mode gilet jaune, changer une réforme. Non, là, c'est mondial. Là. Donc, même si c'est pas obligatoire, de toute façon, après, du coup, on peut pas aller dans les lieux publics. On fait comment sinon après? Mais bon, là où je veux vraiment en venir, c'est. Les gars, même là, je parle de vaccins, mais ça peut être autre chose. Là où vous mettez votre attention, c'est là où vous aurez des résultats. Moi, ça m'a vraiment marqué le fait que j'ai partagé une opportunité. Et les gars, ils étaient tellement focus sur « Ouais, ils nous obligent, on va pas se laisser faire » ou je sais pas quoi, que genre, ils sont passés carrément à côté du truc, quoi. Donc là, ça se trouve, t'es en train de te focus sur des choses. Ça peut être le truc du vaccin, ça peut être autre chose, ça peut être « Ouais, l'autre, il m'a pas dit bonjour » ou « Ouais, l'autre, Tu te focus sur des trucs, en fait, et du coup, tu passes à côté des opportunités qui pourraient changer ta vie, en fait. Donc, c'est bien de vouloir changer le cours de l'histoire, du monde, etc. Mais déjà, change ton histoire. Moi, c'est sur ça que je suis focus. Je regarde comment je peux changer ma vie aujourd'hui. Comment je peux changer ma vie aujourd'hui. Quel que soit ce que le gouvernement fait, parce qu'en vérité, le gouvernement, tu vas essayer des carottes là, mais tu iras toujours dans l'endroit où ils veulent que tu ailles. Okay, c'est comme quand ils disent, ouais, je te baisse les impôts ici, mais ils augmentent à gauche. Enfin, dans tous les cas, mec, faut accepter une chose. Enfin, la seule façon de pouvoir être vraiment libre et d'avoir du pouvoir quand tu parles ou des décisions, c'est quand tu as de l'argent, tu vois. Sinon, on est des troupeaux, quoi. Voilà. Et ils essayent, quand ils voient que, genre, on capte qu'on est des troupeaux, genre, ils essaient de te calmer, tu vois. Tiens, un peu d'argent, tiens. Ou genre, ouais, t'inquiète pas, on va faire un truc, il n'y a plus de vaccin. Puis après, ils vont faire un autre truc à côté, ils vont mettre ça dans la nourriture. Enfin, je dis des bêtises, mais pour te dire que, dans tous les cas, concentre-toi sur ce que toi tu veux faire. Concentre-toi sur comment toi tu peux changer ta vie et n'accorde pas trop d'attention sur des choses comme ça. Franchement, honnêtement, moi dans ma tête, c'est. Peut-être qu'il y en a, ils vont pas comprendre ce que je dis. Hein. Ils vont dire, ouais, n'importe quoi, c'est la fin du monde, je sais pas quoi. Écoute, concentre-toi sur comment toi tu peux changer ta vie au lieu de te concentrer sur ce machin. Si jamais le gouvernement doit mettre ça en place, ils le mettront en place quoi qu'il arrive. De toute façon. Si jamais c'est obligatoire et il va falloir le faire, tu vois. Donc dis-moi un petit peu ce que toi tu en penses en commentaire.
Ok, de manière respectueuse, évidemment. Donc, pour résumer, moi, en clair, je suis plus en mode, ouais, tiens, complotiste et tout. Mais concrètement, j'essaie de prioriser ce qui est important et qui va me permettre d'avancer dans la vie. Me concentrer sur est-ce que c'est un complot, est-ce que Bill Gates, s'il veut nous tuer, nous veut éradiquer, est-ce que nanana, ça changera rien du tout en vérité. Par contre, je peux changer dès aujourd'hui en me concentrant sur ce qui va me permettre d'avancer dans la vie, qu'est-ce qu'on peut faire de faire plus d'argent, d'avoir plus de liberté. Parce que l'argent égale liberté. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'as pas aimé du tout ce que je dis. T'as tout en description si jamais tu peux aller plus loin. T'as l'étude de cas offert où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine. Et de toute façon, si tu veux vraiment esquiver un truc, vraiment un jour, il faut de l'argent. Ok. Par exemple, il y a un gars qui est venu ici. Concrètement, il disait il veut payer pour avoir le pass sanitaire. Il veut pas se faire vacciner, il veut payer pour avoir le pass sanitaire. Tout est une question d'argent. Si t'es pas d'accord avec ça, c'est ton problème. Continue à pas en avoir, tu verras comment la vie elle est compliquée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.